Au bout de ta vie? Oui. Ah, ça va monter deux fois plus après. Ouais. Hello tout le monde! Aujourd'hui nous sommes dans le Lot et pour une fois il ne pleut pas, parce que ça fait déjà 3-4 jours que nous sommes là et qu'il fait un temps de merde. Donc ça y est, nous partons avec les vélos et j'emmène la petite à côté se péter les pattes dans les jolies côtes que j'ai repérées dans le coin. Et nous arrivons à Loubressac, classé parmi les plus beaux villages de France. Petite pause point de vue numéro 1, puis on va aller s'en faire une autre là-dedans. Là, je vous cache tout avec ma main, c'est n'importe quoi. Instagrammeuse en puissance, en action, avec la goutte au nez, c'est magnifique. Regardez comme il est joli ce petit village. Oh, le château, il est super bien éclairé en face, là, regarde. Donc là en face, juste sur la petite colline bien éclairée, le château de Saint-Laurent-les-Tours. C'est caché, il n'y a plus de lumière. Ouais, c'est pas évident. Hein. Bon allez, c'est bien mignon ce petit village de Loubressac, mais il faut qu'on vous emmène voir un autre des plus beaux villages de France qui se trouve qu'à quelques kilomètres de là, pour lequel bon, on a déjà 4 km de descente qui tourne bien à faire avant de refaire plein de bonnes montées qui pètent les pattes. T'es contente? Ravie. Bon, en vrai, on n'avait pas tout à fait les 4 km, ça remonte beaucoup plus vite que ça. Il y a des petits trucs sympas là sur le bord de la route en arrivant à Autoar, qui est également classé parmi les plus beaux villages de France. Là-haut, on devine vaguement un château à flanc de falaise. Ça, c'est le château des Anglais, mais on le voit pas trop. Je vais vous le mettre en photo. Et donc, ce château, c'est un château qui servait pendant la guerre de 100 ans, qui a priori avant était beaucoup plus gros que ça, genre un vrai château. Là, il reste pas grand-chose. Peut-être qu'un jour, je vous emmènerai voir ça de plus près, parce que ça peut se visiter comme ça très facilement. Alors, pour visiter le château, vous pouvez vous garer ici, en bas, directement à Autoar, et il y a un chemin qui monte assez raide, ce qui vous emmène aussi là-bas à une cascade. Ou alors, vous pouvez aller vous garer directement là-haut, là c'est gratuit, ça vous évite de marcher, enfin de marcher, de monter en marchant quoi, et vous voyez la cascade d'en haut. Enfin, dans tous les cas, vous pouvez faire l'un et l'autre. En attendant, c'est avec les premières gouttes de pluie de la journée que nous quittons Autoar, et là ça va grimper un petit moment. Ça réchauffe cette petite côte à 11 ou 12%, 13%. Et c'est loin d'être la plus grosse qu'on va manger aujourd'hui. J'annonce que ça commencera par un 2.
arrivons bientôt au pied du mur, au pied du monstre. Et j'en connais une qui va râler. Parce que le truc que je lui ai pas dit, c'est qu'arrivé en haut, il n'y a même pas de récompense visuelle. Il n'y a rien, il y a juste une route. Et nous y voilà au Mont-Saint-Joseph, tout ça pour une église. Au bout de ta vie? Oui. Ah, ça va monter deux fois plus après. Oui. Allez, petite pause dans les bois parce qu'il fait faim après toutes ces ascensions. T'es pas un petit peu de viande séchée de la Suisse de nos amis de chez Liophilis et Enco? Ah, j'ai cru que j'allais pas réussir à l'ouvrir, tiens. Oh non, la blague. Quoi? Le sachet vide? Il y a un sachet sous vide dans un sachet. Ah. C'est tendre. C'est vachement bon. Suisse Alp Jerky, 52% de protéines. Enfin voilà, à retrouver chez Liophilis et Co. avec le petit code promo de 10% comme d'habitude, tout ça, tout ça. Si vous l'utilisez, bah déjà ça vous fait la réduc, ça soutient la chaîne. Et puis voilà, tout le monde est content. Allez. Ah, c'est bien, ça s'éclaircit un peu, mais putain, qu'est-ce qu'il fait froid quand on repart là, surtout en descente. Faudrait que le soleil sorte un peu nous réchauffer parce que ça picote, hein. Au moins la vue se dégage et c'est plutôt sympathique. Là-bas en lumière, c'est Loubressac, le petit village où on était ce matin. Et en face, de nouveau, le château de Saint-Laurent-les-Tours, avec la ville de Saint-Céré juste en dessous. C'est trop beau. Nous y sommes, au pied du monstre. Le clou du spectacle. On dirait pas que ça y a juste une petite bosse, mais de mémoire après ça... Voilà, on va monter peut-être ce premier palier pour aller voir. Je te sens tellement impatiente. Premier morceau fait. Là encore, ça a pas l'air très terrible. Vraiment, dans mes souvenirs, c'était pire que ça. J'espère, sinon je vais passer pour un con là. Il y en a une à qui ça fera plaisir. Hail my Lord, watch me sway. Darkness falls and we all pray. Hoping for the light of day. Down to the river. I have held the devil's hand. Felt the weight of my own sin. Burdened by the heart of man. Down to the river. Down to the river. Ouais, tu vois, je t'ai fait grimper tout ça pour même pas une vue top top quoi. Parce que voilà. Allez, il fait presque beau, presque chaud, vraiment presque, hein. Donc il est temps de conclure cette vidéo, parce que nous sommes presque arrivés, nous avons faim, nous avons roulé autant de temps que nous sommes restés arrêtés, et vu depuis combien de temps on essaye de faire cette conclusion, je pense que nous avons même resté arrêtés longtemps, même resté arrêtés longtemps, cela ne veut rien dire, bref, on s'en fout. J'espère que ces quelques images du Lot vous ont plu, nous on a bien kiffé malgré la pluie. Il y a quelques photos que vous avez pu voir, tout ça, bref, c'était cool, si vous en voulez d'autres, dites-le en commentaire, likez, partagez peut-être si vous voulez, ça, abonnez-vous.
Ah, tu voulais le dire ? Vas-y, vas-y, vas-y. C'était moi de faire la conclusion avec des bisous du Lot, likez, partagez, mettez-nous en commentaire si vous avez aimé notre petite vidéo. Mettez-nous, tu veux qu'ils te mettent. Mettez-nous en commentaire. Vous comprenez pourquoi je préférais finir ça moi-même. Allez, ciao.